Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés pour cette grande virée numéro 4. On va suivre ici justement cette petite course. Je ne serai pas seul, je serai accompagné d'Erlo. Erlo, comment tu vas? Bah ça va et toi? Bah écoute, ça va nickel. Hâte que ça commence et qu'on puisse justement eh bien commenter cette course longue d'un peu plus d'une trentaine de kilomètres. On le rappelle que c'est une course caritative. Histoire qu'on n'oublie pas et qu'on soit justement qu'on sache pourquoi on regarde justement cette course. Tu peux peut-être rapidement avant tout de suite, excusez-moi, on va peut-être parler justement de l'association pour laquelle on fait pour laquelle cette course va soutenir cette œuvre. Ce sera comment dire, attendez que je recherche, j'avais le nom devant moi. C'est pour l'ASBL Circular qui s'occupe bien de recycler des déchets informatiques. Donc en gros, ils les recyclent et puis en gros, ils les remettent un petit peu en fonction pour faire bénéficier ça à des écoles ou même encore à d'autres choses. Justement, tu peux peut-être maintenant nous parler un petit peu du parcours, Erlo, et de ce qu'on va avoir lors de cette course. Alors pour ce qui est du parcours, on va avoir un circuit en deux parties. On va avoir une première partie de 18 km et demi plutôt plate qui devrait pouvoir permettre à la création de différentes échappées avec un sprint intermédiaire qui interviendra au bout de 18 km. Et après on enchaînera plusieurs difficultés, à commencer par la citadelle de Namur qui fera un peu plus de 1,8 km à 5,3%. Et on enchaînera avec la côte de Bonin et la côte d'arrivée qui seront assez proches avec une descente très courte dans le final. Donc un final qui sera sûrement explosif et qui risque d'être extrêmement intéressant à suivre. Ouais, extrêmement intéressant à suivre, comme tu le dis, même si bon, on le sait, la citadelle de Namur, ça va pas forcément être facile non plus, la côte de Bonin non plus, donc on peut aussi clairement dire que ces deux difficultés avant cette bosse finale, elle va peut-être surtout servir à écrémer un petit peu le groupe et à faire une sélection pour que les meilleurs se jouent la gagne, tout simplement. Ouais, C'est voilà, ce c'est qu'on ça. peut. Donc on risque sûrement d'avoir les plus forts qui risquent de partir dans la citadelle de Namur. On peut revenir un peu sur les plus forts, les grands favoris. Donc pour les citer, on a Baptiste Gabay, un très bon grimpeur puncher, et qu'il faudra réussir à distancer avant le sprint de finale, sinon ça risque d'être compliqué. On a Emmanuel Lejeune, triathlète professionnel, champion du monde d'aquathlon, qui est sûrement le grand favori aujourd'hui, donc qu'il faudra penser à suivre. On a à côté Ciblo, Baptiste Cartieux, athlètes de haut niveau en athlétisme, des puissances développées sur cyclisme qui sont très impressionnantes aussi. Et on a Mathieu Drujon, spécialiste de RGT, la plateforme qu'on utilisera, et ancien professionnel pendant près de 10 ans dans le cyclisme. Donc voilà les forces en présence aujourd'hui qu'il faudra suivre de près. Ouais, clairement, va falloir les suivre de près, comme tu dis, et ça nous propose eh bien justement quelque chose d'explosif si tu devais. Bon, après, c'est le jeu des pronostics. On sait que tout peut se passer, que sur une course, y a beaucoup de choses, beaucoup de données qui peuvent intervenir et qui peuvent interférer tout ça. Mais si tu dois me donner un top 3 pour voir si d'ici, selon toi, le top 3, qui Alors, d'ici un petit peu plus d'1 heure va gagner cette course, selon toi? top 3, j'aurais mis dans les 3, peut-être pas dans l'ordre, mais Emmanuel Lejeune, Ciblo et Baptiste Gabay sont pour moi les 3 grands favoris parce que c'est des très bons grimpeurs. Et en plus de ça, ils ont vraiment des puissances intéressantes et ils sont tous les 3 dans une bonne forme. Baptiste qui est en préparation pour sa saison sur route, qui est très fort en ce moment. Emmanuel Lejeune qui vient de battre son record sur Ironman 70.3. Et Ciblo, pareil, qui est dans une préparation au niveau de la saison d'athlétisme, donc qui est en forme aussi. Et je pense que c'est vraiment les coureurs auxquels il faudra faire attention, il faudra garder un œil. Selon toi, quelles sont les ressources dont on va avoir besoin sur ce genre de parcours qui est relativement plat, à part justement ces quelques petites bosses? Qu'est-ce qu'on va devoir faire pour justement espérer faire la différence dans cette course? Sur une course comme ça où c'est des bosses qui restent assez courtes, à part la côte de Bonin qui est plus longue mais qui n'est pas très raide, on est sur des bosses assez courtes avec des pourcentages importants, donc c'est vraiment des puissances sur quelques minutes qui seront importantes, vraiment avoir un gros punch pour réussir à sortir du groupe et à pas emmener tout le monde avec soi. Et pour les coureurs qui sont peut-être un peu plus en difficulté quand ça monte, des très bons rouleurs, je pense à Alexandre Marlier, Quentin Ruel, Vintador, peut-être anticiper avant Namur. Dans la plaine, avant d'essayer de sortir en échappée. Et il y a énormément de coureurs qui auraient intérêt à prendre de l'avance avant les premières bosses, ou même de jouer dans les descentes. Donc ça va être extrêmement intéressant. On peut avoir de la course de partout. Sur les plus de 30 km qu'on a, il y en a qui ont intérêt de sortir à tout moment. Donc vraiment intéressant de suivre ça entièrement.
Vous rappelez aussi qu'il y a quelques petits forfaits. On va vous les préciser. Hein. Ce sont des forfaits qui sont arrivés justement un petit peu au compte-gouttes. On aura malheureusement l'absence de Running Addict, de Louis Cycling, de Tutur, d'Alexis Louge et de Gilou. Donc voilà, malheureusement, bah, ce sont des c'est la vie. Hein. Ils ne seront pas présents pour cette course. On nous a aussi annoncé que dans moins d'une minute, ça va être le grand début de cette course. Donc n'hésitez pas. On est aussi sur, bah, on est sur le YouTube d'Alexandra. Je suis dans le chat. Donc si vous avez des petits messages à faire passer. On vous regarde, on est attentif et on check si vous avez des petits messages à faire passer. On va N'hésitez penser à pas à vous lire, faire bien évidemment. Et bien aussi, évidemment, quand tu le dis, les dons, les c'est aussi dons pour est ça. dans la description. N'hésitez pas, le lien est dans la description. Voilà, donc le litchi est là, et comme on vous le dit, comme notre ami Et Herlo c'est vous le dit, parti. c'est dans le chat. Et voilà, comme tu le dis, c'est parti. Donc pour Départ de cette la course. course. 34 km, tu nous as un petit peu préfacé, tu nous as dit que. Bah, peut-être qu'on aura pour certains coureurs intérêt à partir d'un petit peu plus loin parce que si on veut espérer battre les tout meilleurs, il va falloir bah, dynamiser cette course et mettre du rythme tout simplement. Ouais, j'ai l'impression que déjà certains coureurs essayent de s'en aller avec vélo chinois, hein, qui a pris déjà quelques longueurs d'avance, qui veut partir dans cette échappée. On a Laurent Cuff de la chaîne Comme un Vélo aussi qui est en train de suivre. Et ils sont en train de partir à deux pour l'instant. On va voir derrière si ça réagit là. Ils ont déjà une dizaine de mètres d'avance. On va voir comment ça réagit derrière. Bah, je pense que là, de toute façon, on va, comme tu l'as dit, il faut collaborer. Hein. Peut-être que, entre guillemets, les personnes les moins fortes ou les outsiders plus ont peut-être tout intérêt à allier leurs forces pour espérer justement faire la différence et battre les monstres, les grands favoris attendus. Donc, ouais, effectivement, on les laisse un petit peu partir, mais je pense que là, on n'a pas trop à s'inquiéter. Hein. On est vraiment dans ce tout début de course, donc le temps que les échappées se forment. On va avoir le temps de justement pouvoir contrôler tout ça avec, comme tu le dis, vélo chinois qui a toujours un petit peu d'avance et qui est seul hein, pour le moment, qui est seul. On voit qu'un petit groupe se forme juste derrière. Est-ce que tu crois vraiment que c'est quelque chose qu'on peut avoir dès le début, c'est-à-dire un espèce de petit groupe d'échappés qui se forme et qui essaye de se débrouiller, à voir aussi combien d'unités et à combien on va partir. Mais est-ce que tu crois vraiment que ça peut est-ce que ça peut aller au bout si on part dès le début de la course en échappée comme ça? Alors, est-ce que ça peut aller au bout? Ça va être compliqué quand même, hein. C'est long, les bosses sont durs à la fin. Mais là, on voit à côté du nom de chaque coureur, vous avez leur catégorie, donc A, B et C. Et les B et C ont vraiment intérêt à sortir assez tôt pour prendre de l'avance, parce que bah, si leur catégorie est plus faible, c'est qu'ils ont un niveau qui est considéré comme plus faible. Et on voit que là, il y a pas mal de coureurs qui ont pris un peu d'avance. Et donc, ça c'est vraiment intéressant pour eux. Donc, on va voir qui se met dans ce coup-là. On le voit ici avec Tri Alban qui est un peu entre les deux groupes, qui a loupé un peu le coup devant et qui se retrouve avec 100 mètres de retard, qui va devoir sûrement attendre le peloton. Ouais, il a un petit peu intercalé. Ouais, clairement, comme tu le dis, je pense que c'est peut-être un petit peu plus intéressant d'attendre le groupe juste derrière plutôt que de faire l'effort. Parce que malgré tout, on est peut-être sur une course de 30 km, un peu plus de 30 km. Mais je crois que c'est important de garder ses forces. Et comme tu l'as dit, que ce soit les catégories B ou C, entre guillemets, on a tout autant intérêt à attendre les autres plutôt que de partir dans de longues échappées. Surtout qu'il va falloir bien garder des forces, tout simplement. Ouais, c'est exactement ça. On voit déjà sur la caméra un Manon Laurent qui pousse des watts. Hein. On sent la tête bouge déjà et c'est le groupe d'échappée. Elle doit être dans l'échappée à l'avant. Hein. J'ai pas vu son nom, mais elle doit être dans l'échappée à l'avant sûrement. Donc ça essaye de sortir. Et on va voir ce que ça donne. Et toujours vélo chinois qui a une soixantaine de mètres. Et ça serait plus intéressant, je pense, pour lui d'attendre le groupe derrière. Parce que là, il est un peu en train de s'épuiser seul devant. Et on voit que il y a donc 9 coureurs qui ont pris plus de 300 mètres d'avance un peu sur le peloton. Donc on a un bon groupe devant et il va falloir faire attention derrière, pas leur laisser non plus trop d'avance. Ouais, pas trop laisser de champ à l'échappée, un peu bah, comme dans le vrai cyclisme, hein, c'est-à-dire que dans les courses traditionnelles, on a souvent ça, bah, des échappées qui se font, et le peloton derrière qui essaye un petit peu de calculer, de pas trop forcément dès le début reprendre l'échappée. Mais effectivement, comme tu le dis, vélo chinois, peut-être bah, intérêt à attendre que ça revienne sur lui, de pouvoir unir ses forces, à moins qu'on se sente extrêmement bien et qu'on ait cette envie de faire l'effort tout seul. On aurait peut-être ouais, plus intérêt à attendre ce groupe qui revient derrière. Toujours une petite cinquantaine de mètres. Hein, avec ici Gabé qu'on voit aussi sur votre écran qui a l'air. Bah, il est calme, il est tranquille. Ouais, il est dans le peloton, c'est un des favoris. Il attendra les boss. Et on peut voir dans le groupe d'échappée 4 maillots orange. C'est les coureurs du groupe What Event. Donc What Event, c'est pareil, c'est un groupe
de cyclistes Zwift par exemple, qui effectuent des events caritatifs régulièrement, et ils ont décidé pour cette course-là de mettre le même maillot pour se reconnaître entre eux et faire une course d'équipe. Et on voit qu'ils sont quatre à l'avant et c'est vraiment intéressant pour eux. Donc on va voir ce que ça donne pour ce groupe, s'ils collaborent, s'ils courent en équipe ou pas. Ouais, effectivement, comme tu dis, ce serait peut-être intéressant de voir si on va justement bah, peut-être prendre des relais hein, et emmener ce groupe le plus loin possible. Enfin, du moins essayer qu'il prenne une avance correcte. Avec ici Ludovic Brachet, que vous voyez qui a l'air tranquille un petit peu hein, pour le moment. On sent que c'est le début, on est sur du plat. Et bah, avant la citadelle, pas vraiment de difficultés à l'horizon. Ça va être relativement calme, même s'il faut plus ou moins bah, avoir un rythme soutenu, c'est clair. Mais comme on l'a dit justement avant cette citadelle de Namur, ce sera extrêmement calme. Précisons aussi que le départ, bah forcément, on est parti du côté d'Ivoire. Donc si vous êtes Namurois, bah, vous connaissez un petit peu cette région, hein, et que l'arrivée, bah, justement, elle est prévue du côté de Gelbressé, et que aux alentours des 18 km 500, plus ou moins bah, à la mi-course, ce sera donc la citadelle de Namur qui viendra pointer le bout de son nez pour nos participants et comme on l'a dit avec Carlo, ce sera clairement à l'occasion de voir les forces en présence et de voir qui pourra prétendre à une victoire. Parce que clairement, ce sera la citadelle de Namur qui sera le premier juge de paix de cette course. Ou du moins, ce qui va permettre de se faire une idée sur les potentiels vainqueurs de cette course. Bon, caritatif, on le rappelle. Mais je pense que même si c'est caritatif, on a envie bah, de la gagner. Quand on participe, même si on a entre guillemets que du prestige à aller chercher, c'est, je pense, toujours intéressant de gagner une petite course. Ouais bah oui, surtout que là vous avez le gratin du cyclisme YouTube et Twitch français, donc forcément bah entre eux toujours ça on aime bien se faire la course, se faire la guerre un peu, et donc forcément bah s'ils sont intéressés pour voir qui a les plus grosses cuisses et qui va battre qui. Et donc pour tout le monde ils prennent ça très au sérieux et le même malgré que ça soit caritatif le but va être quand même de performer au maximum et de gagner. Et en plus de se faire découvrir par tout le monde, parce que vous êtes déjà plus de 600 à nous suivre, et on vous en remercie. Ouais, clairement, bah, on vous en remercie. Merci à tous d'être là. Je vais regarder un petit peu les commentaires. On parle. On a Julien qui dit heureusement que je ne participe pas à la course car je ne peux pas suivre les commentateurs en cas de départ. Je n'ai pas trop compris ce message. On va vous lire hein, dans le chat évidemment parce que là, bah, vous vous en doutez, c'est plus ou moins. On est sur quelque chose d'extrêmement calme. Donc c'est le moment. Si vous avez des messages ou des questions, quoi que ce soit moi et surtout Erlon, on pourra vous répondre tout simplement. N'hésitez pas à justement poser vos Ouais, je questions. vois une question de Jean-Louis. Pourquoi Léa roule pas plus fort? Bah, je pense qu'ils ont quand même besoin de s'économiser. On voit qu'ils gardent à 600 mètres. Ils peuvent largement rattraper cette distance-là quand ils vont se décider à accélérer. Et bah là, laisser une échappée, c'est pas mal aussi. Alors qu'on voit qu'il y a deux coureurs à l'avant, là, FR Unity et Seyrig, qui ont décidé de rejoindre l'homme de tête. Qu'on fait le jump pour les retrouver. Deux coureurs du groupe Whateven, comme j'en parlais tout à l'heure. Et on va voir si ça collabore à trois ou si ça revient derrière. Premier mouvement de course intéressant à l'avant, là, après seulement 5 km de course. Ouais, c'est intéressant justement, comme tu le dis, de voir ce petit jump qui était effectué par le duo Whatevent. Et bah, derrière, on essaie quand même de revenir, même si c'est un petit peu brouillon. Je pense on va peut-être encore attendre quelques kilomètres pour voir vraiment l'échapper. Ben, plus que prendre forme, simplement voir qui va être capable de collaborer pour tout simplement essayer d'aller au bout, ou du moins d'aller le plus loin possible. Les commentateurs passaient sur tout le monde vite fait. Alors, au niveau de comment dire, de la cam, Benjamin, on peut vous proposer que le gameplay qu'on, enfin voilà, c'est on switch un maximum, Ouais. mais on a, c'est pas forcément possible de switcher sur tout. On ne peut switcher que sur les POV qui sont à notre disposition, tout simplement. Voilà, donc on essaie un maximum de vous faire voir les différents points de vue, les différentes POV, tout simplement. Et je crois que pour le moment, c'est pas mal. Hein. On est quand même plus à l'avant de cette course qu'autre chose, et toujours justement ce petit trio qui est en train de peut-être commencer à s'entendre, hein, tout simplement. On est en train peut-être de voir ce groupe de tête se dessiner, et pourquoi pas collaborer. Je pense que de toute façon c'est dans leur intérêt hein, d'essayer de collaborer, de prendre des relais pour espérer Ouais, qu'on aille le plus loin. Hein. forcément, mais là on voit quand même que ce groupe de trois coureurs là, avec FR Unity, Vélo Chinois et Seyrig, a pris un peu d'avance, et
Ubi ici qui essaye de faire le jump pour les rejoindre. Et là, ouais, je pense qu'ils vont partir à 4 parce que derrière ça devient compliqué, hein. Ça devient compliqué. Ils sont Ouais. à bloc depuis 6 km et on a un bon groupe qui est en train de se former à l'avant qui va essayer de faire un maximum de chemin ensemble. Pourquoi pas aller jusqu'au pied de la citadelle ensemble et après, c'est les jambes qui parleront, mais rester groupé le plus longtemps possible pour pouvoir se relayer et avancer sur un bon rythme. On voit FR Unity qui est vraiment en train de mettre un gros rythme à l'avant. Et là, je pense peut-être que bah, la course d'équipe dont je parlais tout à l'heure du groupe What Event avec FR Unity et Cyric, elle est peut-être en train d'avoir lieu. On voit FR Unity qui pousse énormément, Cyric qui reste plutôt dans les roues. Et Cyric qui n'est pas un mauvais grimpeur, il voudrait peut-être l'amener jusqu'au pied de la citadelle de Namur avec un maximum d'avance. Donc c'est vraiment à suivre, voir si ils sont organisés entre eux et comment ils vont gérer leur coup. Ben oui, effectivement, c'est intéressant. C'est de tout simplement en fait avoir un rôle d'équipier. Hein. On protège entre guillemets son collègue pour lui permettre ben, après d'essayer de tenter le coup. Parce que cette citadelle de Namur, elle va clairement, elle va faire mal aux jambes. Hein, parce que c'est si IRL vous l'avez déjà monté, ben, c'est toujours sympa. On se sent vivre, comme on dit. Mais ouais, effectivement, c'est assez intéressant ce que tu me dis là. Parce que ben, clairement, c'est ça. C'est une entente en tête de peloton. Et clairement, ça peut. Bah, ça peut peut-être faire la différence, même si on le sait derrière, les cadors sont bien au chaud et attendent avant de passer à l'action, parce que j'ai quand même l'impression que quand ça va passer à l'action au niveau des A et des A+, ça va déménager. Ouais, je pense. Et je vois quelques questions. Par exemple, le nombre de kilomètres. Donc, je vais vous faire un petit rappel d'un peu d'où sont quelles informations à l'écran. Donc, vous avez en haut à gauche ce que développe le coureur, donc sa puissance, sa cadence et sa fréquence cardiaque. Et en dessous, vous avez le nombre de watts qui récupère en étant dans la roue de quelqu'un. Donc, le draft est vraiment bien fait sur RGT et vous pouvez récupérer pas mal en étant dans la roue d'une personne. Et donc ça sera marqué ici dans Saving, c'est le nombre de watts qu'il économise en restant dans la roue. Et au niveau de la droite de l'écran, vous avez les infos plus générales. Donc vous avez la vitesse, la pente, le temps depuis le départ, la distance parcourue en dessous, la distance restante et le dénivelé positif. Donc voilà, pour ceux qui demandaient le nombre de kilomètres restants, il reste actuellement 27 km et c'est écrit dans Remaining. Bah voilà, parfait. Que d'infos complètes. Que d'infos complètes de ta part. Et c'est bien. Si vous avez aussi d'autres questions, n'hésitez pas. On essaiera d'y répondre, tout simplement. On demande aussi des infos sur RGT, les avantages et les inconvénients, justement, par rapport à Zwift. Alors, pour le faire rapidement, RGT est un simulateur qui se rapproche plus de la réalité par rapport à Zwift, du fait que, en fait, là, vous avancez vraiment en groupe en fonction du mec qui est en tête du groupe, quoi. Si devant il pousse 300 watts, le groupe avance à 300 watts, et c'est derrière que vous économisez mieux que sur Zwift, et ce qui fait que la différence avec Zwift, la vitesse est calculée en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans le groupe. Donc on a quelque chose qui est plus réel et qui va permettre de plus simplement rester dans les roues quand vous êtes en peloton. Vraiment là, dans les roues, ils n'auront pas de mal. Dans le peloton derrière, personne ne lâchera parce qu'ils n'auront vraiment pas besoin de pousser beaucoup de watts pour suivre. Et donc c'est le gros avantage d'RGT. Et peut-être l'inconvénient d'RGT, c'est actuellement, c'est encore un peu le manque de communauté qu'il y a. Donc ce qui fait qu'il y a tendance à pas avoir beaucoup de coureurs sur les courses. Et ce qui pose un peu problème, mais sinon c'est vraiment un très bon simulateur et qui sera sûrement là dans l'avenir. On risque de voir de plus en plus d'événements sur RGT Cycling. Écoute, clairement, moi, pour avoir vu un petit peu du Zwift et avoir justement ici RGT, je trouve que bêtement, un truc qui me. C'est peut-être un avis. C'est un avis totalement personnel. Mais j'ai l'impression que c'est déjà quelque chose de plus détaillé que Zwift, bizarrement. Et je trouve que, comme tu le dis, enfin, même, on se rapproche plus, ouais, de la réalité par rapport à Zwift. Et c'est clairement plus agréable, même l'interface, j'ai envie de dire, d'RGT, je la trouve plus sympa que Zwift, tout simplement. Donc, bah oui, on peut espérer qu'il y aura plus d'events, et puis ben, à terme, pourquoi pas des variantes de vraies courses cyclistes de manière virtuelle sur RGT. Tu crois vraiment qu'à terme, c'est quelque chose qu'on pourra avoir d'ici quelques années? Bah pourquoi pas, parce qu'un autre avantage d'RGT par rapport à Zwift, c'est que là, vous voyez, on est sur un circuit qui a été fait via Strava, par exemple. Et Alex a pu tester son circuit, il l'a pu faire IRL et l'importer ensuite dans la plateforme, et avec des routes qui sont très proches. Donc seuls les décors ne sont pas les mêmes, mais au niveau des virages, vous allez voir que c'est très ressemblant. Si vous avez déjà monté Namur, vous connaissez la citadelle, vous allez reconnaître au niveau des virages et de la pente, c'est exactement la même chose. Et ce qui fait qu'on peut avoir n'importe quelle course, on peut créer n'importe quel circuit. Ce qui est un peu plus dérangeant avec Zwift, c'est qu'on est toujours sur les mêmes circuits. On a rapidement fait le tour et on connaît rapidement tous les circuits. Ici, vous avez une infinité de possibilités et vous pouvez faire les courses que vous voulez en pouvant importer votre propre circuit. C'est vrai Donc, ce qui fait qu'effectivement, que ça dans le peut offrir. futur,
dans le futur pour C'est incroyable. des courses professionnelles, par exemple, si on se met à faire de l'e-sport sur RGT, ben on pourrait avoir beaucoup plus de circuits et imaginer des courses à étapes avec de la plaine, de la montagne, du punch, avec beaucoup plus de variantes possibles. Ouais, c'est vrai que c'est hyper intéressant vu comme ça nous laisse. Bah, quand on est fan de cyclisme, je pense de toute façon qu'on aime aussi regarder ce genre de course, même si on le rappelle, c'est une course caritative et que si vous avez envie également de soutenir justement cette association caritative, tout est dans la description en fait hein, de la chaîne. Hein, c'est l'ASBL Circular Bruxelles, donc n'hésitez pas, c'est dans le comment dire dans la description de la chaîne YouTube d'Alexandre ici sur le live. Donc bah, même le plus petit des dons, hein, ça soutient. Et c'est juste, on a envie de vous dire que c'est l'attention qui compte. Donc, si l'envie vous en prend, et l'envie vous prend, pardon, bah, n'hésitez pas. C'est dans la description du live. Alors qu'on voit ici que du côté de Manon, ça commence à devenir un petit peu tropical. En tout cas, on est dans un climat assez tropical. On voit qu'on est, on a chaud. Et du côté de Gabé, on est tranquille. Voilà, on se Plus balade. On est, tranquille, ouais. ouais, voilà, c'est ça. On est sur quelque chose de cool. Ouais, voilà, on sait qu'on se préserve. On est bah, maintenant à 25 km de l'arrivée. Dans un peu plus de. Non, même dans un peu moins de. Ouais, dans une dizaine de kilomètres, ce serait la citadelle, hein, même un peu moins, j'ai envie de dire. Donc ça va être Ouais, assez c'est ça, intéressant. on s'approche petit à petit du pied de la citadelle Namur et probablement des premières attaques dans le groupe derrière. On risque d'accélérer fortement parce qu'on voit que pour l'instant ils ont toujours un peu plus, ils ont un peu plus d'un kilomètre de retard sur le groupe de tête. Mais voilà, c'est un kilomètre de retard à la vitesse où ils roulent, on est sur moins de 2 minutes. Concrètement, on doit être autour des 1 minute 40. C'est un problème d'RGT, c'est qu'on a que l'écart en distance et pas en temps, donc c'est un peu moins Attends. parlant. Mais voilà, on est entre 1:40 et 2 minutes à peu près de retard pour le peloton derrière, donc ce qui n'est pas énorme et ce qu'ils peuvent largement rattraper dans la montée de la citadelle. Et on le voit d'ailleurs ce peloton ici avec tous les gros favoris. On est sur Mathieu Drugeon actuellement, on voit Baptiste Gabay à côté. On voit que Ciblo est dans le coup, Nicolas Gervais là, Quentin Ruel, voilà, ils sont tous là. Le peloton est groupé, personne n'est lâché. Et ils vont pouvoir se faire la guerre dès la citadelle de Namur, je pense. Ouais, clairement, ça va partir dans tous les sens. Et puis bah si enfin si vraiment ça part comme tu dis dans la citadelle de Namur, on n'aura pas de problème à rejoindre le groupe de tête, peut-être au sommet de la citadelle ou éventuellement dans la descente. Enfin, je pense que ce sera assez simple pour eux. De toute façon, là vraiment ils sont dans la retenue hein, et dans l'économie au maximum. Bon ouais, on va attendre le kilomètre 18, 18 et demi où on s'approchera de la citadelle de Namur et il y aura sûrement une première course pour être placé au pied, être dans les premières positions et avant d'arriver dans la citadelle où là on risque d'avoir la bagarre. Donc Ouais, la grande intéressant à bagarre suivre. qui commencera. La citadelle de Namur, qui par rapport justement à la côte de Benin, est un peu plus dure. Hein. Clairement, c'est un petit peu plus compliqué. On le rappelle justement, cette citadelle de Namur, 1 km 900 à 5,3% de moyenne. Donc ben, le pourcentage est plus élevé, mais c'est seulement ben, 1 km 900 d'ascension. La côte de Benin, elle, qui on le rappelle, est située à 27 km de l'arrivée, ben, elle fera 4 km à 3% de moyenne. Donc c'est. Moins dur que la citadelle, mais c'est plus long, donc ce sera peut-être un effort un petit peu plus comment dire contrôlé. Et ce sera intéressant de voir un petit peu comment on va gérer ça du côté des favoris, et puis bah, même de nos échappées, de nos fuyards du jour. Très clairement, ce sera assez intéressant de voir ça en hein, 22 km de l'arrivée. Comme vous le voyez, on est à moins, bah, si je sais bien compter, à moins de 6 km de la citadelle. Donc ça se rapproche, ça se Ouais, c'est rapproche. ça, c'est ça. Et on va enfin pouvoir un petit peu voir l'état de forme de nos différents protagonistes, même si vous le voyez ici, on est encore tranquille hein, du côté de nos hommes de tête qui ont plus de 400 mètres d'avance hein, sur le second groupe, qui Ouais. bah, malheureusement arrive peut-être pas à s'entendre pour essayer de revenir sur eux, d'essayer de proposer quelque chose pour pourquoi pas, on va pas dire les rattraper, mais au moins essayer de s'organiser. Ouais, de C'est combler un petit peu les l'écart. plus vieux. Après, ils sont peut-être un peu justes physiquement aussi, hein. Peut-être Ils lâchent aussi, ouais. 400 mètres, on a vu que ça a essayé de réagir dans un premier temps. Et après, bah, ils ont eu un peu de mal à boucher le trou. Et donc, voilà, je pense qu'ils sont un peu justes aussi. Mais on voit qu'ils ont 400 mètres de retard, mais ils ont quand même un kilomètre d'avance, un bon kilomètre 200 d'avance sur le peloton. Donc, ils ont encore une avance confortable qui devrait leur permettre d'arriver au pied de la citadelle de Namur avec plusieurs minutes d'avance. Et ils verront après dans la citadelle de Namur comment ils arrivent à se rejoindre. Et on voit actuellement le peloton ici.
le peloton qui est toujours bien groupé, on roule tranquillement, on est autour des 150 watts dans les roues, donc voilà, en tête ça doit rouler à 200, 200 watts, pas plus. On avance à un train de sénateur tranquillement jusqu'au pied de la citadelle de Namur où là on enverra les watts et on risque d'avoir des différences. Ouais, clairement, et peut-être une jonction après justement cette citadelle. Peut-être que justement au niveau du groupe de tête, on va avoir le, bah, le comment dire l'écart suffisant pour du moins basculer en tête ou du moins être encore devant au sommet de cette citadelle de Namur. Parce que bah, voilà, on s'est construit un petit avantage, donc petite avance de plus d'un kilomètre encore ici. Donc normalement, un kilomètre, sachant que ça fait déjà un kilomètre neuf, on devrait être encore en tête, je pense, au pied, enfin au sommet de la citadelle, même si peut-être que dans le groupe de tête, il y aura aussi des attaques, ça on ne sait pas. Mais Oui, selon toi, justement, sûrement. On dans ce risque groupe de d'avoir quand même à tête, rapprocher. dans ce groupe de tête, quel coureur peut-être est le plus comment dire, susceptible de justement placer une petite offensive? Sur le groupe des trois premiers, je pense que FR Unity risque d'être un peu juste dans la citadelle. Parce qu'il est, c'est un, ça reste un sprinter, hein, c'est un sprinter avant tout. Et il va sûrement jouer le sprint intermédiaire au bout de 18 km. Donc il va arriver rapidement. Et après, Seyrig Vélochinois, je pense qu'on va avoir un niveau assez proche. Et on risque d'avoir une belle bataille entre les deux. Donc je pense qu'il risque de basculer à deux en haut de la citadelle. Et on verra derrière, on a quand même des bons grimpeurs. On a Alias Lu qui est bon grimpeur et qui peut peut-être sortir du groupe avec Pacha par exemple. Et qui pourrait peut-être faire la jonction dans la citadelle de Namur, reboucher ses 400 mètres. Donc ça va être intéressant de voir à l'approche de la bosse comment. Déjà avec quel écart ils arriveront dans la bosse de différence. Et voir en haut qui bascule avec qui, et voir déjà si le peloton se rapproche. Parce que je pense qu'en haut de la citadelle de Namur, on risque d'avoir des écarts beaucoup plus légers, et on risque d'être à de, limite de se regrouper en haut si vraiment ça roule à fond derrière, pour des coureurs comme Ciblo, Emmanuel Lejeune, Baptiste Gabay, Vintador. Si ces coureurs-là commencent à vraiment faire le forcing dans la citadelle de Namur, ils peuvent se rapprocher très très proche au sommet, et même presque faire la jonction, donc faudra suivre ça passionnément. Exactement, tu l'as parfaitement teasé. Franchement, de la manière dont tu viens de nous le conter, j'ai juste envie d'une chose, c'est qu'on arrive au pied de cette citadelle. J'ai envie qu'on soit dans le pied de cette citadelle. Alors forcément, bah pour nous, vous allez le dire, c'est plus simple. On commente alors que justement, nos protagonistes sont dans l'effort. Mais franchement, cette citadelle de Namur, on a hâte qu'elle arrive, puisque d'ailleurs, elle est bientôt là. Et ça va permettre de se faire justement une idée sur les forces en présence et de voir qui va pouvoir créer cette différence. Alors qu'on va du côté de Manuel Jaune, on est tranquille. Voilà, vous le voyez ici sur la droite de votre écran, on est tranquille. Du côté de Manu, on se préserve. Et donc, justement, comme tu l'as dit, on doit être. Ouais, on est à 21 km de l'arrivée maintenant. La citadelle qui se rapproche à grands pas. Et puis on le rappelle, après, on aura la côte de Benin et enfin l'arrivée du côté de Gelbressé avec les 500 ou 600 derniers mètres justement de cette arrivée à Gelbressé qui seront un petit peu ce serait plus un faux plat montant, pas vraiment une vraie difficulté, mais c'est plus un faux Ouais, plat montant qui attendra avec nos quelques coureurs. pourcentages quand même, hein. On aura des passages à 7-8%, on a 7% de moyenne sur les 600 derniers mètres, donc il y a quand même de quoi faire des différences, et faudra vraiment encore avoir de la forme pour être capable de faire la différence sur cette bosse-là, parce que les pourcentages peuvent arrêter. Un homme solitaire par exemple pourrait un peu être stoppé et taper la tête comme on dit dans la dernière bosse, donc faudra vraiment garder des forces pour cette dernière montée qui sera vraiment très punchy. Et où un bon puncher pourrait faire la différence. Et c'est pour ça que si on voit un groupe arriver avec Baptiste Gabay en son sein sur les 600 derniers mètres, il faudra vraiment faire attention à lui. Parce qu'il a des puissances max assez intéressantes pour un poids très léger. Et sur ce genre de boss-là, il peut vraiment faire la différence. Alors qu'on voit que ça roule toujours correctement hein, devant du côté de FR Unity, c'est Eric ou encore Vélo Chinois, bah on s'approche tout doucement hein, de cette citadelle de Namur. Citadelle de Namur qui, on le rappelle, est l'arrivée IRL dans le cyclisme IRL du Grand Prix de Wallonie. On n'en parle pas forcément assez, c'est pas forcément une course World Tour, mais c'est une course toujours agréable à suivre parce que on aime voir ce genre d'arrivée à la Citadelle de Namur. Ici, malheureusement, c'est pas une arrivée, mais ce serait quand même intéressant de suivre justement cette première difficulté de choix
dans cette grande virée, on le rappelle, et on vous invite encore une fois à faire des dons tout simplement pour justement l'association qui, en l'occurrence, est Circula Bruxelles, qui s'occupe de recycler des déchets informatiques. Ben, c'est plus des PC de grandes entreprises qu'ils remettent en état et puis après qu'ils redonnent et qu'ils redistribuent dans la commune de Bruxelles, tout simplement. Donc n'hésitez pas. Salut, on est d'accord, RGT est redevenu payant. Alors ça, je ne sais pas du tout, Jérôme, peut-être que Herlo va Alors, pouvoir répondre à cette question. ouais, pour RGT, vous avez une version payante et une version gratuite. Donc, avec la version gratuite, ça vous permet de rejoindre n'importe quelle course, n'importe quel group ride, et de pouvoir quand même parcourir plusieurs circuits. Et la version payante va vous permettre, elle, de créer des courses, créer des group rides, et pouvoir aussi importer vos circuits, ainsi qu'avoir accès à tous les circuits de la plateforme. Donc, pour ce qui est de faire des courses sur RGT, qui est quand même le plus intéressant, c'est ça reste totalement gratuit. Et voilà, si la version payante sert juste à pouvoir créer ses courses et y importer ses parcours. Donc non, pour ce qui est de RGT, il est toujours gratuit pour pouvoir courir et s'entraîner. Merci pour cette petite explication, mon cher Herlo. Comme ça, au moins, ce sera clair. Allez, il reste 19 km. On est, mine de rien, quasiment. On est même à la moitié de cette course. Hein. On est quasiment à la moitié, pardon, excusez-moi, je compte mal. On n'y est pas encore, mais on se rapproche justement de cette mi-course, tout simplement. Et de ce groupe que vous voyez toujours. DA. Qui sont voilà tout simplement on voit ici Baptiste Gabé un petit peu en queue de groupe mais je pense rien d'inquiétant après tu les connais forcément mieux que moi mais du côté de Baptiste Gabé on est un petit peu Ouais. en queue de groupe pour justement on va appeler ça, on peut le considérer comme un peloton comme le groupe des favoris Ouais, comme on pourrait justement c'est l'appeler ça, ouais. Alors qu'on voit que je... Muriel ici est en difficulté, elle se retrouve en 26e position, à près de 200 mètres de retard, et Unicorn aussi. Donc qui sont toutes les deux derrière, elles vont peut-être se rejoindre dans la plaine, mais elles se sont fait lâcher de l'échappée dans un premier temps et du peloton des favoris maintenant. Donc elles font leur course de leur côté et voilà, faut les encourager aussi parce que c'est pas simple, hein. C'est pour eux que ça va être le plus long et que ça va être le plus dur, va falloir réussir à faire toute la course seule. Et on voit que ça devient compliqué aussi pour Cam. Donc ça va faire ouais, les trois coureuses féminines, je crois que c'est les trois seules féminines qui se retrouvent lâchées du peloton des favoris et qui vont peut-être se regrouper dans la course plus tard dans la course. Donc on va voir ce que ça donne, mais n'hésitez pas à les encourager aussi dans le chat, hein. Elles ont peut-être le chat ouvert, donc elles voient peut-être vos encouragements. Donc n'hésitez pas à encourager vos favoris et à donner vos pronostics dans le chat toujours. On lit vos messages. Alors, on voit que Vélo Chinois est en train de créer un petit écart. Là, il y a un petit écart qui est créé pour Vélo Chinois par rapport à Unity et à Seyrik. On va peut-être parvenir Ouais, à je boucher ce pense. trou, mais voilà, c'est très léger. Hein, c'est très léger. Alors qu'on a vu qu'il y a Ouais, aussi. ça va revenir derrière. Alors que ça a commencé, je me trompe. Si je me trompe, en tout cas, dans ce groupe des favoris, a un petit peu accéléré. Enfin, du moins, a augmenté un peu la cadence. On a vu que derrière, pas forcément que ça se scindait, mais il y avait quelques petits trous. On pouvait justement apercevoir dans ce groupe alors que bah, on est en train, si je ne m'abuse, d'arriver au pied de cette première difficulté, la citadelle de Ouais, Namur pour nos trois on fuyards. a passé le sprint intermédiaire qui a été gagné par Vélo Chinois devant FR Unity et Seyrik. Vous l'avez vu rapidement. Et là, donc on va arriver au pied de la citadelle de Namur dans 500 mètres, même pas. Et on est déjà sur les premiers pavés, hein, la citadelle de Namur qui a une montée en pavé pour une de ses grandes parties, pour la grande partie. Et donc on la voit devant nous, hein, on voit la bosse se dresser devant nous, et ça va être très intéressant déjà de voir comment ça va se passer dans le groupe d'échappée et d'après suivre le peloton qui va y arriver. D'ici 3-4 minutes. Donc c'est là que la course commence et c'est là qu'il va falloir commencer à vraiment rester concentré et à suivre pour tout le monde. Alors qu'on voit que c'est au niveau des comment dire des pourcentages, c'est par rapport aux couleurs aussi que vous voyez sur votre écran, c'est de l'orange et du rouge, donc c'est une montée assez constante. Hein. Citadelle de Namur, il n'y a pas forcément de gros changements en termes de pourcentage, c'est assez constant. Et on voit qu'on y est, hein. On va y arriver tout simplement. Ça commence à monter, On y est devant et. on est à du Et ouais, 5,4 quand même. comme un peu prévu, FR Unity un peu en difficulté sur le pied. On voit que Vélo Chinois a l'air d'être le plus en forme, hein, dans cette montée sur la tête, et il commence à prendre déjà quelques mètres d'avance. Et ouais, il est en train de partir tout seul, Vélo Chinois. Est-ce que Seyrik va être capable de réagir? Il est à plus de 340 watts, hein, c'est des watts conséquents quand même. Il est ici sur le premier lacet, il y en aura quelques-uns. Et il commence à repartir tout seul comme en début de course. Donc voir comment on va réagir derrière. Est-ce qu'on va s'attendre entre Seyrik et FR Unity pour essayer de rentrer à deux sur la descente et sur le plat après, sur la transition jusqu'à la prochaine bosse.
Ça va être intéressant de voir, alors que le deuxième groupe arrive aussi au pied. Et c'est là que voir si quelqu'un a la force de pouvoir faire le jump et essayer de rejoindre devant. Il y a quand même plus de 400 mètres. Ça va être difficile à boucher, mais s'il y en a un qui est vraiment fort, c'est possible. Alors que Pacha est en difficulté, lui, sur le pied de cette montée. Ah ouais, il va clairement bah, être distancé de ce deuxième petit groupe, alors que devant c'est Aliaslu qui a l'air d'être justement un petit peu plus solide que ses comparses, alors que devant du côté de Vélochino, on a clairement bah, créé un tronc, hein, tout simplement. On va, si ça continue comme ça, bah, peut-être basculer en tête de cette citadelle de Namur, même si on n'est même pas encore à la moitié de l'ascension, on le rappelle, hein, cette ascension qui fait 1 km 900. On est sur bien la globalité de cette ascension à plus de 5% de moyenne, 5,3% pour être précis. Et cette citadelle bien longue de 1,3 km, alors que justement dans le groupe juste derrière, dans ce deuxième groupe, c'est Aliaslu qui mène avec Ubi juste derrière lui. Clairement, justement, on en avait parlé, cette citadelle de Namur qui est en train de nous montrer, de faire un petit peu une sélection naturelle des hommes les plus forts dans un premier temps, pour les échapper, et puis derrière dans le groupe des favoris qui, de leur côté, on sent que ça va arriver à toute allure, du côté de nos favoris. Ouais, alors que ça a accéléré derrière dans le peloton, on voit Cédric là de la chaîne Les Watts qui arrive au pied en tête au niveau du peloton. Et là c'est là que la bagarre commence. On voit qu'il y a des watts par kilo qui commencent à s'allumer en rouge et que ça accélère. On voit Emmanuel Lejeune ici, un des grands favoris qui prend la tête, Quentin Ruel qui le compte directement. Et c'est parti plein pétrole sur le pied de cette citadelle de Namur avec l'accélération d'Emmanuel Lejeune et de Quentin Ruel. Est-ce que ça va réagir derrière? On va voir, ils ont déjà pris quelques mètres d'avance. Et ouais, c'est parti pour monter très très vite. À plus de Ouais. 400 watts développés par Emmanuel là. Faut réagir directement derrière si on veut pas Ah se faire ouais. lâcher. On est clairement en train, du côté de Emmanuel Lejeune, de tout simplement bien dicter le rythme de ce groupe des favoris avec, comme tu l'as dit, Quentin Ruel, qui est juste non, qui est en troisième position. Qui est juste en troisième position. C'est Alexandre Marlier que vous voyez en deux. Oh non, il est quatrième, pardon. Excuse-moi. Quentin qui est Ouais, quatrième. il perd un peu de place Quentin Ruel. Alors Il qu'on vote s'accroche pour l'instant. forcément. La Belgique en tête dans cette citadelle de Namur, on va pas s'en plaindre, forcément. Soyons un petit peu chauvins, hein, forcément. Ils sont à Mais domicile, hein, ils connaissent les routes par cœur. ah, clairement, et je peux vous dire que ça doit être du côté de Manu, on est en train de clairement vouloir écrémer peut-être ce groupe, même si on sait qu'il en faudra peut-être plus pour justement distancer nos grands favoris, vraiment ce groupe de favoris. Mais clairement, Ouais, on voit les premiers dégâts quand même, hein. Cyclepassion, Alban, Xavier Charron lâché, Coach Triathlon lâché. Et ouais, on commence à avoir des dégâts devant. Petit à petit, ça explose. Regardez, vous pouvez voir sur le graphique en bas les points blancs et on voit que le peloton d'air est en train de revenir à une vitesse sur les hommes de tête. Et je suis même pas sûr que Vélochinois bascule avec plus d'une minute d'avance au sommet, hein. Ça va vraiment être très proche parce que déjà Emmanuel Lejeune qui est en train de revenir sur le groupe 3 composé d'Aliaslu, Ubi, Laurent Cuve, etc. Regardez, ils sont juste derrière, ça revient déjà. Et comme je vous l'ai dit, hein, même s'il y avait pas mal de distance de laisser sur la plaine, forcément ça revient très vite. Et c'est Quentin Ruel qui a contré. Quentin Ruel qui a contré dans cette citadelle et qui a pris un peu d'avance mais qui se fait reprendre directement par le reste du peloton qui ne veut laisser partir personne. Hein. On reste groupé pour l'instant, on monte très vite mais groupé. Ouais, on monte très vite pour essayer justement de reprendre cette échappée le plus vite possible, alors qu'on voit qu'on a toujours Aliaslu qui est intercalé justement entre ce groupe de tête mené par Vélochinois et puis surtout le peloton derrière qui est en train, enfin ce groupe de favoris plutôt, qui est en train de revenir à une vitesse folle tout simplement. Et ouais, non, clairement, comme tu as dit, Vélochinois, on est même pas sûr qu'il aura sa petite minute d'avance dans la descente. Ça va faire du bien aux jambes quand même, hein, quand on sera au sommet de cette citadelle de Namur, on y est presque. Alors que du Ouais, côté il est de en train de FR basculer Unity avec le chinois. et du côté de FR Unity et de Cédric, on est toujours devant, mais voilà, là, clairement, on va sentir le souffle notamment d'Emmanuel Lejeune qui est en train de mener ce groupe. Avec derrière Nicolas Ouais, un Gervais aussi, groupe hein, qui est on en train de va. sortir ici avec Emmanuel Lejeune, Petit Pignon, Nicolas Gervais, Vintador et Alexandre Marlier qui reprennent les roues. On a Mathieu Drujon aussi dans le groupe, hein. Mathieu Drujon, comme je l'ai dit, un des favoris aussi. Et le petit pignon, on n'en a pas trop parlé, mais c'est un très bon grimpeur aussi, qui court à un niveau très correct en FFC. Donc c'est un coureur à suivre aussi dans ce genre de boss. On voit Baptiste Gabay ici qui commence Alors qu'il y a une attaque à encore là. vraiment appuyer sur les pédales. Là, on voit que ça commence à bouger, il est beaucoup moins tranquille que tout à l'heure. Et là, sur les accélérations successives d'Emmanuel Lejeune qui va déjà arriver au sommet, hein. Ils ont rattrapé tout le monde, ils sont plus que 3 devant eux avec 200 petits mètres d'avance.
Donc ça revient très très vite et on a Mathieu Drugeon, Emmanuel Lejeune, le petit pignon qui sont en train de s'échapper un peu. Regardez, hein, regardez sur cette vue Ah, ils vont d'hélicoptère, partir. on a des écarts. Et là, pendant la descente, on peut avoir un regroupement. Mais on a quand même plusieurs coureurs qui sont en train de partir. Et c'est Mathieu Drugeon qui contre. Contre de Mathieu Drugeon, ancien coureur professionnel, hein, retraité sur la route depuis 2013. Mais qui est encore là sur RGT et sur Zwift qu'on voit régulièrement. Et là, il est en train de faire très très mal. Même Emmanuel Lejeune qui a pris quelques mètres, qui devrait pouvoir rentrer. Mais on voit que c'est très dur. Hein, et c'est Ciblo derrière qui essaye de rejoindre le groupe de tête, qui a une vingtaine de mètres et qui essaye de faire l'effort pour rentrer. Et voilà, on va basculer. Et là, ça va falloir souffler un grand coup parce que ça n'a pas été simple. C'est monté très 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 vite. En tout cas, ouais, comme tu l'as dit, en tout cas, bah, on a sorti, bon, là, pas forcément sur le compte de Mathieu Drugeon, un peu moins, mais sinon, on a senti un Emmanuel Lejeune qui était bah, sur toute l'ascension de cette citadelle de Namur, celui qui dictait le rythme et nous a porté plusieurs estocades. Il n'aura finalement bien pas su répondre à la toute dernière, mais sinon, on l'a senti vraiment bien. Par contre, du côté de Cantarell, on est un petit peu distancé, clairement. On voit qu'on est un Ouais, petit peu plus forcément les derrière. coureurs un peu moins grimpeurs en difficulté forcément. Donc on va voir hein, comment se regroupent s'ils arrivent à rentrer derrière. Et on voit qu'Alias hein, qui était tout à l'heure en quatrième position et qui avait abordé la citadelle de Namur dans une bonne forme, qui se retrouve déjà très loin pour voir à quel point ça a monté vite devant. On a vraiment voulu rattraper les hommes de tête direct. Et là on est dans la descente et c'est parti pour une descente qui est assez courte. Hein. Donc on va vite arriver sur la plaine en bas et là si les coureurs qui vont se retrouver esseulés dans la plaine, c'est là que ça va être le plus dur parce que ils auront plus personne avec qui s'abriter, avec qui se relayer et c'est là que les écarts peuvent se faire. Ouais, alors qu'on voit ici cyclisme passion qui est en 21e position, qui est un petit peu plus en retrait, hein, clairement. Et bah oui, on est reparti pour justement quelques petits kilomètres de repos. C'est justement le calme avant la tempête, justement avant cette deuxième difficulté qui sera la côte de Bonin, on le rappelle, qui est située à 27 km 400, et bah, ce sera quand même 4 km d'ascension, mine de rien, avec un pourcentage un petit peu plus faible que ce qu'on a pu voir sur cette citadelle de Namur, 3% max, mais quand même, ça va être bah, là l'occasion, clairement, pour certains coureurs, si on ne fait pas la différence en tout cas, de se débarrasser de certains de ses adversaires et de pouvoir peut-être écrémer encore plus que ce que l'on vient de faire sur cette citadelle de Namur. Ouais, et on voit que derrière les féminines qui étaient un peu lâchées sont encore dans la montée et qui ne se sont pas regroupées, donc ça va être difficile. Et pour revenir sur la côte de Bonin rapidement, le pourcentage moyen est assez faible, il est seulement de 3%, mais on a deux petites redescentes et on a quand même le pied de la bosse, on voit avec des passages avec des pourcentages rouges, donc on est sur du 7-8% sur le pied, donc il faudra quand même s'accrocher. Le haut est un peu plus simple, mais voilà, les deux premiers kilomètres de cette bosse sont assez difficiles. Donc voilà, faudra faire une belle descente et on voit que devant Emmanuel Lejeune et Mathieu Drugeon sont revenus sur Seyrig FR Unity et le petit pignon est avec eux aussi. Et derrière, Ciblo a lâché. Ciblo a pas réussi à basculer avec le premier groupe, il est derrière dans un deuxième groupe accompagné de Nicolas Gervais. Donc on a un homme de tête, cinq hommes derrière en contre et deux hommes une quarantaine de mètres derrière qui essayent de boucher le trou dans la descente. Donc on va voir si ça va s'entendre et si tout ce monde-là va se regrouper avant la côte de Bonin. Est-ce qu'on peut, en comptant bien évidemment Ciblo et Nicolas Gervais, dire que ce groupe justement de 6-7 coureurs qui est juste derrière évidemment Vélo Chinois sont les prétendants à la victoire, ou tu penses que ça peut encore revenir derrière et étoffer ce groupe de favoris? Bah, je pense que sur la plaine derrière, on a quand même un groupe, ils sont à une centaine de mètres et on voit par exemple Vintador et Gabé qui sont tous les deux groupes What Event dans la même équipe et c'est très probable que Vintador se sacrifie pour Gabé, Vintador qui est un très bon rouleur et c'est assez probable, on voit un direct qui s'est mis devant et il va peut-être tout faire pour faire rentrer, on voit qu'il y a Alexandre Marlier aussi dans le groupe, un très bon rouleur et sur le plat, si devant ça se regarde un peu, ils peuvent rentrer, ils sont capables de rentrer et de boucher le trou mais il faut absolument rentrer avant la côte de Bonin sinon ça va être difficile, mais on voit, voilà, ils sont vraiment pas très loin. Ils peuvent rentrer avant la bosse, mais bon, s'ils ont lâché dans la première difficulté, ils sont sûrement un peu moins forts quand même que les hommes de tête, et ça risque d'être difficile aussi dans les autres bosses, donc faut suivre. Mais Iris, oui, ça peut rentrer. Je pense qu'on va avoir un groupe d'une dizaine de coureurs au pied de la côte de Bonin. Mais de toute façon, même si on rentre, on va utiliser quand même des forces et utiliser de l'énergie pour revenir au final sur ce groupe qui est devant. Donc il va falloir être très solide si on parvient à rejoindre ces échappées. Même si on voit ici hein, Mathieu Drugeon, le petit pignon et Emmanuel Lejeune qui sont en train de, bah, de clairement en fait d'accélérer, hein, d'essayer de revenir un maximum. C'est sur, bah, sur Vélo Chinois qui n'a plus qu'une
qui a plus, enfin moins de 500 mètres d'avance tout simplement sur ce petit groupe. Donc clairement, on a l'air d'être motivé parce qu'on accélère clairement du côté de nos trois coureurs juste derrière Vélo Chinois qui, mine de rien, est en train de faire un beau petit bonhomme de chemin et qui est solide. On le rappelle, échappé depuis le kilomètre zéro pratiquement et qui est encore en train de résister à justement ce groupe de favoris juste derrière lui. Ouais, on voit les trois coureurs derrière qui font que de s'attaquer, hein. Ils s'organisent pas vraiment, il n'y a pas de relais, mais on voit Uxie Emmanuel Lejeune qui réaccélère, qui reprend 30 mètres d'avance sur Mathieu Drujon. Et voilà, c'est un triathlète, hein. Donc sur un effort solitaire comme ça lui convient parfaitement. Et là, faut vraiment pas lui laisser 40 mètres, hein. S'il laisse un peu trop d'avance et qu'il ne rebouge pas directement le trou, s'ils n'arrivent pas à faire l'effort, ça va être très très compliqué d'aller chercher ensuite. Et le petit Pignon, qui l'a bien compris, qui essaye de ressortir à son tour et de rentrer sur Emmanuel Lejeune, mais là, c'est vraiment... un moment important, faut vraiment pas le laisser partir maintenant, sinon ils le reverront sûrement pas. Ouais, parti un peu tel un spécialiste du contre-la-montre, hein, dans un effort solitaire où on va clairement essayer de faire la différence et aussi de revenir sur Vélo Chinois. On en profite, les amis, avant justement d'arriver dans cette deuxième difficulté, de vous inviter encore une fois à vous rendre sur le Litchi pour faire un don, même si c'est le plus petit don possible sur ce Litchi, donc au profit de la SBL Circular. Et ce qui est très très bien, c'est que quand vous allez sur le Litchi, il y a justement quelques petites lignes qui vous expliquent ce qu'est la SBL Circular, comme ça au moins vous savez pour quelle association vous donnez votre argent, et c'est toujours bien, et on vous invite bien évidemment à le faire, même si c'est le plus petit des dons, alors qu'on voit que du côté de Vélo Chinois, on est peut-être tout simplement en train d'exploser, et on va voir tout simplement Emmanuel Lejeune, Mathieu Drujon et le petit Pignon fondre sur notre homme de tête qui a l'air d'être un petit peu dans le mal et qui est un petit peu peut-être pas au bout, mais dans le mal. Et Emmanuel Lejeune qui réattaque, hein. Qui en met une, hein, c'est terrible. Ouais, il s'arrête jamais. On voit, il y a eu une espèce de petite remontée, un petit répète chaud. Et directement, il ressort et on voit, là, il donne tout. Il va essayer de basculer dans la descente avec un peu d'avance. Et voilà, plus de 500 watts développés. Et là, ça envoie. Et d'ailleurs, faut à nouveau réagir encore une fois, essayer de rentrer. Et on va voir qui craque au bout d'un moment. Ils vont pas pouvoir tenir comme ça jusqu'au bout à faire que s'attaquer. Donc on va voir lequel craque le premier et qui réussit à partir avec de l'avance si on continue comme ça. Et on voit que derrière ça devient de plus en plus difficile de rentrer, hein. Un gros groupe s'est reformé derrière, mais ils ont 400 mètres de retard sur ce groupe-là. On voit que ça roule vraiment fort devant et ils n'arrivent pas à rentrer. Est-ce que tu penses que du côté d'Emmanuel, on est clairement en train d'essayer de... via ces, comment dire, ces portions un petit peu plus plates et favorables à un coureur bon dans l'effort solitaire, est-ce que tu crois qu'on n'est pas en train justement d'attaquer comme ça? Parce qu'on sait que quand la route va s'élever un petit peu, on aura un peu moins de qualité que les hommes derrière et qu'on a envie de créer cette petite avance. Parce que derrière, on sait que dans l'ascension, ça va être un petit peu plus compliqué. Oh ouais, c'est possible qu'ils ne veuillent pas voir le retour de très bons grimpeurs, malgré qu'il y a quand même le petit Pignon dans son groupe, hein, qui est un excellent grimpeur. Mais c'est sûr qu'avec avec Mathieu Drujon, c'est plus des très bons rouleurs. Ils ont peut-être peur, par exemple, du petit Pignon dans la bosse, hein, surtout dans la bosse d'arrivée. On voit que la côte de Bonine, c'est quand même pas des pourcentages énormes. Donc je pense qu'il devrait pas se faire lâcher par un pur grimpeur. Mais la côte d'arrivée peut leur faire peur là-dessus. Donc ouais, peut-être une des raisons pourquoi il ne fait que accélérer en espérant lâcher le petit Pignon avant les premiers gros pourcentages où on arrive. Hein. On va y arriver très très rapidement d'ici quelques mètres, d'ici une centaine de mètres, on va arriver dans la côte de Bonine. Ouais, cette côte de Bonine qui sera donc la deuxième difficulté répertoriée, même si l'arrivée du côté de Gelbressé sera elle aussi explosive avec, comme tu as dit, des pourcentages 7-8% dans les 500-600 derniers mètres. Donc ce sera il faudra encore avoir les ressources nécessaires pour justement être capable de finir et d'avoir cette capacité à s'imposer, même si on sait qu'après peut-être 30 km il faudra aller rechercher les ressources. On aura beaucoup donné, mais on n'y est pas encore. Mais quand même attention à cette arrivée du côté de Gelbressé qui n'est pas plate, donc qui sera peut-être favorable à celui qui aura encore le plus de punch et le plus d'énergie possible dans les batteries. Ouais, on voit qu'à l'avant, Vélo Chinois a été repris et c'est Emmanuel Lejeune qui a contré directement sur le pied de la côte de Bonine. Et comme je vous ai dit, voilà le pied. On a quand même des pourcentages ici, des passages à plus de 6,5%. On a 6,7% et on monte très vite. Hein. On est à 28-27 km/h. On voit le petit Pignon en très bon grimpeur qui revient directement. Est-ce que Mathieu Drujon va être capable de faire le même effort pour rentrer? On voit que c'est plus dur pour Mathieu Drujon. Hein.
Il y a du mal, hein. Ouais, Kylian qui est en clairement. retrait. Aïe aïe aïe, ça devient difficile pour Mathieu Drouin, ils sont en train de partir à deux. Est-ce qu'on Elias n'aurait qui pas revient pas justement directement, ouais. à 6 km de l'arrivée le duo de potentiels vainqueurs, hein, Emmanuel Lejeune, le petit pignon. Attention, est-ce que du côté du petit pignon, voilà, on n'aurait peut-être pas envie de lâcher Emmanuel Lejeune dans cette côte de Beauvais. Ça, ce serait peut-être justement l'intérêt, parce qu'on sait derrière que quand ça va être un petit peu plus plat du côté d'Emmanuel Lejeune, on va encore en remettre quelques-unes. Hein, mais là, clairement, on prend le relais du côté du petit pignon et on est en train d'emmener ce groupe, même si derrière, Emmanuel Lejeune, il va encore en mettre une. On a l'impression. En tout cas, Ouais. on le sent très solide. Hein. Là, je pense qu'ils ont vraiment intérêt à collaborer tous les deux, à écarter Mathieu Drujon en fait de la course à la victoire, parce que Mathieu Drujon, c'est un ancien sprinter professionnel, hein. Il a très bons résultats, alors qu'Emmanuel Lejeune lui repart, hein. Il voit pas de cet œil-là, il veut absolument partir seul et il rattaque directement le petit pignon qui va devoir réagir, voilà qui est fait et qui va encore devoir revenir dans la roue. Et voilà, la première petite redescente dont je vous parlais tout à l'heure dans cette côte de Bénin, il y en aura deux. On va avoir quelques petits pourcentages avant de revoir à nouveau une partie descendante, avant d'avoir un final qui est plus sur un faux plat, hein. Les deux, trois derniers kilomètres, les deux derniers kilomètres surtout, c'est plus un faux plat montant où on risque d'avoir moins d'écart. Et voilà, c'est ici dans les derniers pourcentages que ça peut jouer sur cette côte de Bonin. Sinon, il faudra sûrement attendre la côte d'arrivée pour avoir de réelles différences. Ouais, clairement, quand on sera au pied de cette côte de Benin, bon, on sera quasiment dans les derniers kilomètres, parce qu'on appelle, vous voyez, on est à 5, on est même à moins de 6 km de l'arrivée. Et on a l'impression que quand on voit ça, ça va être soit Emmanuel Lejeune, le petit pignon, qui risquerait de se jouer la victoire. Hein, à moins que derrière, du côté de Mathieu Drujon, on puisse revenir. On a au final qu'une centaine de mètres de retard. Mais après, derrière, hein, que ce soit on regarde un vélo chinois qui était en tête, ou Alexandre Marlier, Nicolas Gervais, on a l'impression que par contre que de leur côté, ça va être très 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 compliqué de revenir, sachant qu'il reste 6 km pour eux. Ouais, pour ce groupe-là, je pense que c'est fini. Hein. On voit, ils vont revenir sur vélo chinois. Ils peuvent peut-être encore reprendre Mathieu Drujon, hein, qui n'est pas si loin que ça. Mais je pense que la victoire, elle est pour le groupe de tête. Hein. Emmanuel Lejeune ou le petit pignon. Et dans le chat, n'hésitez pas à dire quel est votre favori entre ces deux coureurs pour jouer la victoire. Donc Emmanuel Lejeune, triathlète professionnel, ou petit pignon, très bon coureur FFC, très bon grimpeur, que vous pouvez suivre bien sûr sur YouTube, ces deux coureurs. N'hésitez pas à nous dire dans le chat qui vous voyez gagner cette épreuve. Ah, clairement, si je dois placer, forcément, est-ce que c'est un peu de chauvinisme, mais je préférerais voir Emmanuel s'imposer. Étant belge, on a envie forcément que ce soit un compatriote qui s'impose. Mais attention, ne pas sous-estimer le petit pignon, parce que pour le moment, on a senti que du côté de Manu, on a voulu mettre beaucoup de rythme, d'imposer le tempo. Mais si du côté du petit pignon, on arrive justement à revenir à chaque fois, est-ce qu'on aura encore les ressources nécessaires du côté de Manu pour finir dans cette bosse finale du côté de Gelbressé? C'est la question qu'on peut se poser, parce que on le rappelle aussi, tu nous en avais parlé tout à l'heure, juste en dessous, eh bien, du nom, que ce soit d'Emmanuel Lejeune ou du Petit Pignon, on a une espèce de petite barre. Et on le rappelle, quand on est dans le rouge, comme on voit ici par moment Emmanuel Lejeune ou le Petit Pignon, c'est qu'on est en train d'accélérer, tout simplement. C'est un petit peu la barre d'effort, si on peut dire. Ouais, c'est ça, et on voit, ça n'arrête pas de s'attaquer, hein. Encore une énième attaque d'Emmanuel Lejeune à ce moment-là. Les deux n'arrêtent pas, hein. Ils ne roulent pas ensemble, c'est seulement des à-coups. Et ce type de course-là peut être à l'avantage du petit pignon, hein, qui est vraiment un coureur FFC, alors qu'Emmanuel Lejeune est plus un triathlète, donc plus habitué à un effort de contre-la-montre. Donc là, ouais, c'est pour moi, cette course-là peut être à l'avantage du petit pignon. Et s'il n'arrive pas à le lâcher dans les derniers pourcentages, et je vois que vous étiez plusieurs dans le chat à penser ça aussi, dans des gros pourcentages, le petit Mignon est vraiment, c'est presque 10 kilos de moins qu'Emmanuel Lejeune, et ça peut jouer, hein, sur un sprint final dans de forts pourcentages. Ouais, clairement, parce que du côté d'Emmanuel, on est peut-être en train d'accélérer en se disant, ah, si on dans les 600 derniers mètres, si on arrive à 2, je suis cuit, donc il essaie de faire la différence. Mais du côté du petit pignon, pour le moment, à chaque accélération, on revient et on se remet dans la roue. Et attention même à ce qu'on ne décide pas d'attaquer, parce que regardez, du côté du petit pignon, maintenant on est devant. Et cette espèce d'accélération constante de nos deux protagonistes nous montre que du côté d'Emmanuel, on n'a pas envie d'arriver avec le petit pignon du côté de Gelbressé. On le rappelle, 4 km. On arrive vers la fin de cette course, et vous l'aurez compris, ça ne fait aucun doute que, eh bien, le vainqueur de cette grande virée se trouve devant, et que ce sera sûrement soit Manu, soit le petit pignon. On peut voir que derrière, voilà Mathieu Drujon qui est toujours là entre les deux groupes. Et derrière, j'ai l'impression que Baptiste Gabay et Alexandre Marlier sont sortis à deux. On prend une trentaine de mètres d'avance sur Ciblo.
Et voilà, on nous le montre ici. Et ils sont sortis à deux, hein, deux très bons coureurs. Donc est-ce qu'ils vont pouvoir résister pour aller jouer une quatrième et cinquième place? Alexandre Marier qui réaccélère ici, ouais, il veut vraiment essayer de distancer Ciblo. On a Nicolas Gervais, Vintador, Les Watt derrière. Donc distancer ce groupe de 4 derrière et essayer d'aller jouer les accessites tous les deux. Donc ouais, intéressant aussi de ce côté-là, hein, on voit que ça roule très fort pour Alexandre. Il donne tout. Et ils ont toujours quelques mètres d'avance, même si c'est pour l'instant très très peu. On va voir si quelqu'un réagit derrière, alors que devant, toujours ce même duel entre Petit Pignon et Emmanuel Lejeune. Ouais, clairement, on a envie de voir justement qui de Emmanuel ou du Petit Pignon pourra gagner. C'est compliqué, c'est dur, même si bon, des données que tu nous donnes et de ce que tu nous expliques, le Petit Pignon, si on arrive à deux, a l'air d'être un petit peu le favori, même si on le voit ici sur cette carte 3D en dessous de votre écran. On va avoir une portion un petit peu plus descendante et on va pouvoir un petit peu peut-être récupérer avant cette ascension finale du côté de Gelbressé. Donc même si c'est très court, on va essayer de profiter un maximum de cette descente. Ah, ça va vraiment être le moment pour souffler parce que voilà, ils sont quand même partis pour basculer tous les deux en tête maintenant. Et là, ça va être bien respirer, souffler un grand coup et arriver au pied de cette dernière bosse où bah, pendant 600 mètres, va falloir tout mettre, hein. Ça va être 2 minutes d'effort et il va falloir tout donner, hein, pendant ces 7 minutes 30, 2 minutes d'effort pour aller chercher la victoire. Je pense que vu comment c'est parti, ils vont pas se regarder et ça va juste rouler à fond et c'est les jambes qui parleront ici. Donc voilà, le dernier moment pour souffler dans cette descente. Et après, il faudra bien suivre devant parce que ça risque d'être intéressant. Alors que derrière, on a eu un regroupement. Ils sont à nouveau 6. Baptiste et Alexandre se sont fait reprendre. Et eux aussi, hein, sont pas très loin. Hein. Ils sont pas très loin, par exemple, de Mathieu Drugeon, hein, que 150 mètres d'avance. Même si je pense que ça devrait tenir pour Mathieu Drugeon dans la descente. Il perdra pas de temps. Et sur 600 mètres, je pense qu'il devrait tenir. Alors que la caméra de Ciblo vient de tomber. Chute de la caméra de Ciblo en direct. Chute dans le Et peloton, donc. si on peut dire, pour faire un petit jeu de mots bien drôle. Bon, c'est pas très très drôle, mais on le fait quand même. Et ouais, non, Mathieu Drugeon ici, comme tu le dis, Maki, ouais, devrait tenir à 140 mètres. On a la descente qui va intervenir juste après. Et forcément, derrière, on revient à chaque fois sur la même chose. Hein, Emmanuel Lejeune qui est en train d'essayer d'accélérer un maximum. Et le petit Pignon qui, derrière, résiste. Résiste, résiste, tant bien que mal. Même si ça doit être dur, hein, parce qu'on sent que Manu, de son côté, il est vraiment. On sent que quand il accélère, c'est dur de le suivre. Il est vraiment dans un effort assez violent à chaque fois et il nous en a quand même mis quelques-unes, hein, de petites accélérations comme ça. Quand on l'a déjà vu accélérer de la citadelle de Namur, ça a été déjà impressionnant. Et là, regardant, on en remet encore une nouvelle fois. Ouais, dans la descente, hein, il essaye même dans la descente, il fait la descente à fond et on voit sur sa caméra qu'il serre les dents. Hein. C'est pas simple quand même. Et dans la descente, ouais, essayer de mettre un maximum, mais je pense pas qu'il puisse se lâcher dans la descente quand même. Hein. Même à des vitesses assez importantes comme ça, il devrait rester groupé jusqu'au pied de la bosse et il n'y a vraiment pas un mètre de plat entre le bas de cette descente et la bosse, on va direct arriver dedans. Donc bah, voilà, le dernier kilomètre et demi là, ça va aller très très vite. Ouais, très 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 vite et on y est dans cette dernière ligne droite, dans ce final. On va arriver du côté de Gelbressé, on le rappelle, les 600 derniers mètres à plus ou moins 7-8% comme tu nous l'avais dit, donc ça va être explosif. Et on est à maintenant 1 km 200 de l'arrivée. On va rentrer dans ces 1000 derniers mètres. Et c'est le petit Pignon qui va décider sous la flamme rouge de passer en tête. Apparemment, à moins que du côté de Manu, on repasse juste devant. Mais on est en train peut-être maintenant du côté du petit Pignon d'arriver là où on voulait arriver, c'est-à-dire eh bien forcément à côté de Manu Lejeune et pas derrière lui. On aura su résister à toutes ces estocades et maintenant, il va falloir avoir les ressources nécessaires pour aller chercher la victoire, tout simplement, Et ouais, du on y côté du arrive dans petit 200 Pignon. mètres, on va être au pied de cette bosse, hein. Et là, maintenant, faut regarder. Voilà, c'est avant de cette course et on va voir. Je pense que ça va monter à fond, ça va pas se regarder. Il reste 600 mètres et là, c'est parti. Regardez, dès le pied, ça envoie tout. On va tout donner du côté de ces deux coureurs. Et là, c'est vraiment la jambe qui va parler. On voit Emmanuel Lejeune qui déjà on lance à plus de 700 watts, Bah, c'est 400 watts solide, hein. maintenant, qui prend quelques mètres. Petit Pignon qui réagit directement. Et là, c'est un duel de deux coureurs très 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 costauds. Et voilà, ils n'arrivent pas à se lâcher pour l'instant. Emmanuel Lejeune qui remet une accélération. Le petit Pignon toujours là pour répondre. Mais qui contre pas pour l'instant. Qui reste sagement dans la roue.
Ah mais attention On parce qu'on est en était train clairement de capable de prendre la combler. différence. On est en train de clairement, ben, on prend une 7, 8, 9 mètres et pour le moment on n'arrive pas à les combler. Et on est à moins de 500 mètres de l'arrivée. Donc du coup, ben, est-ce qu'on n'est pas en train de simplement d'aller gagner la course du côté d'Emmanuel Lejeune? Parce qu'à 400 mètres, on a 13, 14 mètres, on est passé au-dessus des 10 mètres d'avance. Et du côté du petit pignon, ben, on est à fond, on n'arrive pas à revenir. Donc est-ce que ben, Manu n'est tout simplement pas en train d'aller gagner cette course? Attention, on n'est qu'à mi-pente quand même. Il reste encore 300 mètres, c'est pas fini. Attention à pas avoir présumé de ses forces du côté Manu parce que bah Antoine le petit pignon est en train de revenir petit à petit là. Ah, il reste à 10 mètres pour l'instant toujours, ça va jouer à rien. Ça va jouer à rien. Est-il capable de boucher le trou? Ah, il De le revient, contrer il directement? revient, Ouais, il j'ai l'impression revient. qu'il est en train de revenir et là il va pas le regarder. Il va contrer directement. On est à plus de 10 watts kilo, plus de 300, 500 watts envoyés, 700 watts maintenant. Et là, est-ce que Emmanuel Lejeune est capable de répondre? Et j'ai l'impression que ça Ah devient non, hein. difficile pour Manu. Non mais Quoique, on est en train il d'en relance maîtriser, encore non? une fois. Voilà, ça va jouer dans les derniers mètres. Est-ce qu'il est capable Bon, de c'est la passer victoire sur de la ligne? Manu. Oh, C'est c'est la la victoire victoire de d'Emmanuel Manu Lejeune. sur la ligne. Oh, c'est Incroyable, la sur victoire la de Manu ligne. sur la ligne. Et derrière, Oh là 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 Mathieu là. Drugeot qui est en train de rentrer, mais ouais, je pense que ouais, sur la ligne c'est confirmé. Emmanuel Lejeune qui le bat Qui s'impose. pour quelques centimètres. Un sprint incroyable entre les deux coureurs qui ont tout donné. On le voit qui est heureux. Hein. Il lève les bras directement. Et je pense qu'il a bien souffert, il a tout donné. Alors que Mathieu Drugeon ici avec 60 mètres d'avant, je pense qu'il devrait rallier l'arrivée en troisième position. Et derrière, c'est Baptiste Gabay qui est en train de faire l'effort pour aller chercher la Et on voit quatrième place Manu, dans le groupe hein. derrière, qui a pris quelques mètres d'avance. Et ouais, on On voit voit Manu Manu qui heureux fait le de. geste, je suis mort, c'est pas possible. On sent vraiment qu'il a tout donné. Il est au Ah bout ouais. du bout, là. Je pense que là, il aura bien mérité la petite douche et le petit repos, au moins jusqu'à demain. Parce que là, clairement, ils nous ont offert du bon spectacle. C'était agréable de suivre cette arrivée. Parce qu'on a vu un moment Manu devant, le contre du petit pignon. Puis derrière, dans les 50 derniers mètres, Manu qui parvient à repasser devant pour finalement aller s'imposer alors que Mathieu Durujon irait chercher une très très belle Ouais. troisième place. C'est Baptiste Gabay qui derrière aurait été dans ce groupe de Quatrième favoris place. le plus solide. Hein. On voit Alexandre Marly ici qui Ouais, va aller chercher la septième. on voit Baptiste au bout de ses forces. Hein. Il était arrivé à plus de 200 BPM et là, voilà, il a besoin de souffler aussi et de respirer parce que ouais, ça a dû monter fort aussi. Vintador ici qui va venir chercher un top 10 avec Vélo Chinois aussi qui va compléter ce top 10. Donc voilà, un finish incroyable. Hein. On vous a vendu du suspense, on vous a pas menti. Hein. Il y en a eu jusqu'au bout. Ça s'est vraiment joué dans les derniers mètres, dans les 5 derniers mètres. Donc, incroyable. Et Incroyable Vélo course. Chinois, en tout cas, félicitations à lui parce qu'il aurait été échappé Ouais. depuis le kilomètre zéro et il va chercher un top 10. Donc félicitations à lui aussi, il aurait été très solide. Et finalement, bah, c'est très, 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 très belle performance pour Vélo Chinois alors que du côté de Cantaruelle, on devra aller chercher cette 11e place. Et FR Unity, qui lui aussi était un échappé, ira chercher quant à lui cette 12e position au classement. En tout cas, oui, très belle course, hein. Très, très animée. On attendait quelque chose d'explosif et comme tu l'as dit, ben on a été servi. Pour le coup, on en a eu pour notre argent. Très très Ouais, on très voit belle Quentin course. Ruel ici qui va donner jusqu'au bout. Qui va essayer d'intégrer le top 10 peut-être en rattrapant Vélo Chinois, mais ça va être compliqué quand même. Hein. 70 mètres de retard encore, même s'il l'a en point de mire. On sent qu'il est à fond là, hein. Il tire la langue, ça commence à bouger de tous les côtés. Et il va avoir du mal à revenir. Ouais. On sent qu'ici, ouais, il a un peu abdiqué là, ça devient trop compliqué. Voilà. Il a compris qu'il allait pas pouvoir revenir. Donc qui va se contenter d'une 11e place aujourd'hui. Un bon résultat quand même pour Quentin qu'on a vu tenter dans la citadelle de Namur. Hein. On l'a vu attaquer dès le pied de la montée pour tenter de surprendre les meilleurs grimpeurs. Et voilà, on en avait parlé, hein, c'est un très bon rouleur, sprinter. Donc c'était à son avantage d'essayer de surprendre tout le monde. Malheureusement, il a été suivi et il n'a pas pu s'accrocher derrière. Mais très belle course de sa part parce qu'il a dû faire quand même un bout de chemin tout seul, ce qui n'est pas simple. Ouais, clairement, on aurait voulu essayer. Je pense que c'est bien de toujours tenter d'avoir du panache. En tout cas, on l'aura joué au panache du côté de Quentin, mais malheureusement, bah, ça ne passera pas. Mais en tout cas, on peut être satisfait de sa course du côté du coureur français. Alors qu'on voit que du côté des FR Unity, bah, on est sur une 12e place, à moins qu'on se fasse rattraper par Coach Triathlon. Mais je pense que avec Oh, ça 130 devrait le mètres faire aussi. d'avance, ça va être. Ouais, on va aller chercher hein, cette 12e place. En On tout voit cas, qu'au oui, très courage, hein, très belle course. il se donne tout. Hein. À chaque fois, chaque coureur, on peut le voir sur les 600 derniers mètres, qui donne tout ce qu'il a, qui tente de faire la plus belle montée possible. Et c'est tout à leur honneur. Donc on va pouvoir suivre comme ça les différents coureurs qui vont arriver. Alors qu'on voit sur le graphique en bas qu'on a encore certains coureurs qui sont à la moitié de la côte de Bonin. Et voilà, on peut suivre Alias lui ici, on a sa caméra.
et qui lui est encore en course aussi, il est actuellement en 18e position. Donc on voit petit à petit que tout le monde arrive dans cette bosse finale. Ouais, on est en train de rejoindre et de rallier l'arrivée, on le rappelle, du côté de Jules Bresset, un parcours qui aurait été fait uniquement dans la belle province de Namur. Donc bah forcément, c'est plus aux Belges que ça va parler, cette magnifique région d'où je proviens. Donc forcément, je l'aime encore plus, cette région namuroise. Mais ouais, en tout cas, très 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 beau parcours. En tout cas, on aura vu une belle course avec comme on aura justement, comme on en aura parlé. Bah, pendant le début, en préfaçant cette course, bah, ça a été quand même cette citadelle de Namur qui a fameusement écrémé, peut-être plus que ce qu'on pouvait imaginer. Et puis après une course, on s'est retrouvé à 4 ou 5 avant de voir les deux ovnis, bien que sont Manu et j'ai oublié son nom, attention, le deuxième, j'ai oublié les amis, excusez-moi. Le nom du. Petit Pignon, Le petit pignon, Antoine excusez-moi, Petit voilà. Pignon, Bah, ils qui auront était clairement fait la dans. course à deux, mais. C'est peut-être pas forcément le scénario auquel on s'attendait dans ces 10-15 derniers kilomètres, mais en tout cas, force est de constater que ça aurait été les hommes les plus costauds dans cette course. Et puis au final, bon, ce sera tiré la bourre, et puis c'est une arrivée comme on les aime, hein, en mano à mano jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc, très très belle course, même si on s'attendait peut-être à une arrivée peut-être un peu plus groupée. Au final, ce sera nos deux. Coureurs qui se seront disputés la victoire, alors que du côté, bon, on le voit d'Alias Lou, on est à 400 mètres de l'arrivée tranquillement. On va terminer, on va, je pense, sans trop de problèmes, aller chercher cette 18e place. Et puis derrière, bon, on revient aussi tranquillement à son aise. C'est la fin de course, je pense qu'on peut. On a fait le plus gros de l'effort, même si au final, même si c'est court. La côte la plus dure, bah ça c'est arrivé du côté de Jalbressa en fait en termes de pourcentage. Ouais, très difficile. Et puis voilà, on a surtout les kilomètres avant qui s'enchaînent. Et voilà, tout le monde a beaucoup donné sur tout le début de la course. Et là, c'est un dernier effort qu'il y a à fournir. Alors qu'il reste plus grand-chose dans le moteur. Donc, ouais, très, très courageux hein, de tout donner comme ça. Et on voit ici hein, Unicorn, Manon Laurent qui est encore dans la côte de Bonin. Et voilà, c'est pas simple pour eux. Hein. Il reste encore des kilomètres. Ils ont fait pratiquement la course tout seul. On voit Xavier Charron aussi qui est devant, on en a très peu parlé, hein, notre Québécois de la course, hein, le seul Québécois présent ici qui a fait la course seul aussi. Et donc voilà, faut les encourager, hein, toutes ces personnes, parce que c'est pas simple, hein, ça prend encore plus de temps. Donc n'hésitez pas à les encourager encore et pour qu'ils donnent tout jusqu'à la fin et qu'ils en finissent. Ouais, clairement, on voit ici un Muriel là, qui est en train de s'arracher. On est à 4 km de l'arrivée pour Muriel, mais effectivement, il faut finir. Et on a quand même. Je pense que là, de toute façon, on doit finir à son rythme, mais pas tout simplement exploser. Et juste terminer à son rythme, comme on le voit ici, avec Manon et Xavier qui, quant à lui, a plus ou moins 500 mètres d'avance sur cette dernière. Est en train de rallier l'arrivée petit à petit. On a vraiment eu comme quoi bah, l'effort a quand même été violent et que beaucoup de coureurs ont eu du mal à suivre. Hein. Vraiment, c'est un TGV qui a été lancé à un moment donné. On a eu 7-8 coureurs qui sont partis, qui auront été les plus forts. Et puis derrière, bah, forcément, bah, quand ça roule comme ça aussi vite, on a du mal à suivre. Et c'est tout logiquement qu'on doit bah, aussi aller à son rythme et pas exploser parce que c'est pas forcément la meilleure des choses non plus. La citadelle de Namur a été montée grand train. Hein. On est sur Ouais. des. Ça a monté à une vitesse quand même. C'est assez impressionnant. Hein. Ils ont repris l'échappée. Ils l'ont passé à côté. Ils les ont enrhumés, quoi. C'est vraiment. Personne ne s'est regardé. Du pied jusqu'en haut, ça s'est donné à fond. Et voilà. Et en haut, c'est là. Hein. C'est à la jambe que ça s'est fait de toute façon à la course. Hein. Personne ne peut vraiment avoir de regrets. Parce que tout le monde s'est donné à fond. Et c'est les plus forts qui sont sortis. Donc il n'y a pas de regrets à avoir pour personne, je pense. Et voilà, ils doivent tous être contents de leur course et de l'effort qu'ils ont pu fournir aujourd'hui. Clairement aussi, rappelons-le que c'était une course d'exhibition. Il n'y avait pas forcément à quelque chose à gagner. Les seules choses qu'on a envie de faire gagner, eh bien, ce sont les dons pour la SBL circulaire. Donc, on vous invite à vous rendre enfin, dans la description du live pour aller sur le Litchi hein, qui vous permet de faire justement un don pour cette association. Donc, n'hésitez pas quand vous cliquez sur le lien Litchi. Un petit texte qui vous explique ce qu'est pardon la SBL circulaire, comme ça au moins vous savez un petit peu pourquoi vous donnez votre argent. Donc n'hésitez pas, même 5 euros,
C'est toujours ça, et c'est surtout le geste qui compte plus que la somme. Donc, n'hésitez vraiment pas à donner pour cette association Circular à Brussels. Allez, pour faire un topo rapide, l'association, le but de l'association est de récupérer du matériel informatique dans différentes entreprises afin de le redonner à des étudiants qui seraient en difficulté, par exemple, ou à différentes écoles pour qu'ils puissent avancer technologiquement parlant et pouvoir donc avoir un meilleur apprentissage. Donc, vraiment une association importante. Donc, n'hésitez surtout pas à donner. C'est le lien est dans la description, comme je vous l'ai dit. Surtout en ces temps de Covid, hein, on sait qu'on est allé, comment dire, on est au moment des cours à distance, hein, forcément, pour beaucoup d'étudiants, beaucoup d'écoliers. On sait que c'est pas forcément une période facile dans laquelle on est plongé depuis plus d'un an et dont on a peut-être du mal à voir le bout. Mais en tout cas, voilà, c'est important de soutenir, comme tu l'as dit, cette association pour pouvoir permettre à ceux qui n'ont pas les moyens, eh bien, d'étudier dans de bonnes conditions et de ne pas être désavantagé par rapport aux autres. Donc, n'hésitez vraiment pas à soutenir cette association par le biais d'un don, tout simplement, peu importe la somme. Alors qu'on voit du côté de Manon, donc on est en train, tout simplement, pas d'en finir, mais presque. On en profite, on est dans la descente, on le voit, elle souffle, elle récupère, elle sait que ça lui fait du bien, parce que derrière, on lui a, je pense qu'elle le sait, mais il y a encore l'arrivée du côté de Gelbressé. Et c'est 600-700 derniers mètres qui vont être très, très, très compliqués. Et n'hésitez pas aussi à la soutenir, tout comme Muriel, pour tout simplement relier Ouais, l'arrivée. on voit Muriel, Cam et Red hein, avec le EFDV, elles font du vélo, donc n'hésitez pas à le suivre aussi, un groupe de féminines qui font du vélo entre elles et tout, donc n'hésitez pas à les suivre un peu partout sur les réseaux, c'est une super initiative de leur part pour faire avancer le cyclisme féminin. Donc voilà, elles sont là aujourd'hui et elles ont tout donné jusqu'au bout et elles vont tout en finir, on voit que Muriel est la dernière dans la côte de Bonin, elle va bientôt en finir, basculer dans la descente. Et finir par le terrible mur final de 600 mètres où faudra aller jusqu'en haut. Et voilà, n'hésitez pas à les encourager aussi et à les suivre partout, elles font du vélo. C'est toujours aussi important, comme tu dis, de les soutenir. Alors, quand tu côté de Bado Xavier, on est passé sous la flamme rouge. Et du côté de Cam, bon, on est un petit peu plus avancé. On est à 300 mètres de l'arrivée. 400, pardon. 430 mètres, pour être exact. Et puis derrière, Manon et Muriel qui vont terminer aussi tranquillement. On est sur, comment dire, sur une course un petit peu jouée de manière différente, hein, pour Manon, pour Muriel, c'est plus au final rallier l'arrivée dans les temps à son rythme aussi, parce que comme on l'a dit, c'était impossible de suivre le rythme de fou furieux qui était surtout le tempo qui était mis devant. Donc elles finissent à leur rythme. Pourquoi j'ai le problème perso? Ouais, Écoute, on sait pas du tout, Lucas, je sais pas du tout. Ah voilà, bon, en plus c'est dans le chat, donc forcément on va pas la il est dans peine le chat, de. il va pouvoir te répondre, mais ouais, Julou, malheureusement, qui a été non partant aujourd'hui, qui a eu un petit problème avant le départ. Voilà, s'il y a des coureurs qui étaient prévus et qui n'ont pas été là, on a fait la liste un peu au début, mais voilà, il y avait quelques non partants, donc voilà, c'est normal qu'on n'ait pas vu certains aujourd'hui, mais tous ceux qui étaient là, en tout cas, ont tout donné et vont bientôt en finir, hein. On voit que Muriel, elle va bientôt basculer dans la descente. Et on voit ici Red qui arrive dans les derniers mètres, qui va pouvoir en finir. Ils sont encore 5 sur le parcours. Donc on va les suivre jusqu'au bout dans leurs derniers kilomètres. C'est notre manière à nous de les soutenir, tout simplement. Comme vous pouvez aussi les soutenir, n'hésitez pas à un petit message dans le chat, parce que ça peut toujours donner un petit peu de motivation supplémentaire. Alors qu'on en finit à l'instant pour Red et du côté de Cam, on va également en finir, hein, les 40 derniers mètres, peut-être les mètres les plus durs, parce qu'on voit cette ligne d'arrivée, on essaie de l'atteindre, mais c'est pas forcément le plus évident. Après, on le rappelle, plus de 34 km. À travers justement cette belle province de Namur, nous étions partis du côté d'Ivoire, et puis nous arrivons là du côté de Gelbressé, en passant notamment par Ouais, la je vous rappelle citadelle que de Namur, ou encore la côte de Bonny. tous les participants que vous avez pu voir aujourd'hui sont soit sur Twitch, soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Donc vous pouvez tous les suivre. Voilà, s'il y a quelqu'un qui vous a impressionné particulièrement, je pense aux deux vainqueurs par exemple, Emmanuel Lejeune et Antoine le Petit Pignon, qui sont tous les deux YouTubeurs et que vous pouvez suivre assez régulièrement sur différentes vidéos YouTube dans leur sport. Donc le triathlon pour Emmanuel
et le cyclisme sur route essentiellement pour Antoine le petit pignon. Mais voilà, donc n'hésitez pas à suivre toutes ces personnes, hein. On est aussi là pour ça, pour montrer un peu toute la communauté qu'on a autour du cyclisme virtuel. Donc vous pouvez les suivre un peu partout sur les différents réseaux et les encourager au quotidien. Alors qu'on voit que du côté de Manon et de Muriel, on est en train de rentrer dans ces dernières centaines de mètres. Très 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 compliqué évidemment. Hein. Ce qu'on pourrait carrément appeler même comme un petit mur de gel bressé, hein, clairement, parce que l'arrivée fait mal. On est dans les mètres les plus difficiles. On le voit ici, 360, 350 même maintenant pour Manon et Muriel qui, quant à elle, a encore 2 km à parcourir. On est dans la descente, donc maintenant ça va aller très 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 vite. Après l'arrivée, quand elle sera un petit peu plus compliquée. Et on la voit, elle, justement, elle lève le poing, elle sait que. Ça sent la fin. Ouais, ça sent la fin, mais voilà, elle voit, comme ça, moi, elle nous entend. Je ne sais pas si elle nous entend, mais en tout cas, voilà, on la soutient et on va la suivre jusqu'au bout pour qu'elle rallie cette arrivée du côté de Gelbressé. On va Là, pouvoir clairement, c'est encore tranquillement un petit peu souffler dans la calme. descente. Voilà, là on est en train, comme tu le dis, de souffler, mais après, voilà, derrière ce dernier kilomètre qui va être terrible. Mais après, ce sera le repos bien mérité, en tout cas. Emmanuel Lejeune, point faible, trop fort, c'est exactement ça. Franck Braclet, tout triathlon. Il est super costaud, mais aujourd'hui, finalement, il y a eu une bonne bataille, hein, tout au long de la course. Il a pas surdominé non plus, mais ouais, c'est vrai qu'il est sacrément costaud. Bah, c'est son métier, hein, de faire du vélo, de faire de la natation, de la course à pied. Forcément, ça se ressent. On voit que c'est un excellent sportif de très haut niveau. Et donc, sur ce genre d'épreuve, on le voit directement. Au premier plan, donc voilà, c'est pour ça, et n'hésitez pas à le suivre pour ça parce qu'il est impressionnant. Et puis surtout aussi, on se rend compte que du côté d'Emmanuel Lejeune et du petit Pignon, ça a été les deux coureurs qui se sont le moins cachés directement. Ça a été les coureurs à prendre le plus leurs responsabilités et d'emblée à tout simplement, on le rappelle, suivre l'attaque de Cantaruel, puis après derrière à le déposer tout simplement et à partir justement et à faire cette différence à deux. Mais c'est aussi, comment dire, nos deux premiers coureurs, enfin les deux premiers de cette course, auront été les deux coureurs les plus offensifs, dirons-nous. Et ouais, du coup on voit que Unicorn en a fini, il reste plus que Muriel sur les circuits, elle arrive dans cette dernière bosse. Voilà, on veut une pluie d'encouragement dans le chat pour ces derniers 600 mètres pour Muriel, pour Applaudissez, qu'elle faites du puisse bruit chez boutonner vous. et en finir. Donc donner tout pour elle. C'est la dernière qui va en finir maintenant. Elle est très courageuse parce qu'elle a été lâchée sur la plaine au début et elle a fait toute la course seule. Et elle arrive maintenant avec pas mal de retard quand même sur les premiers. Donc vraiment. Très 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 gros encouragement pour elle qui a tout donné jusqu'au bout et qui va en finir, qui va être finisher de cette épreuve. Ouais, elle n'aura rien lâché, donc rien que pour sa félicitation à elle, parce que clairement, comme tu as dit, c'est toujours compliqué hein, de faire une course quasiment en solitaire, en parallèle des autres coureurs bah, qui, pour la plupart, auront été entre guillemets toujours avec une ou deux personnes. Là, du coup, on doit se débrouiller toute seule du côté de Muriel et on le fait extrêmement bien. Et on est dans les 400 derniers, mais justement pour Muriel. Qui on le voit est en train de souffrir. On doit vraiment, c'est même plus aller puiser dans les réserves, c'est pire. C'est clairement en train de souffrir pour rallier cette ligne d'arrivée. Ouais, ces 400 derniers mètres, on voit hein, des pourcentages près des 10%, donc bah forcément c'est très difficile, c'est très compliqué, et là faut mettre tout ce qui reste dans les jambes pour pouvoir en finir et rallier cette ligne d'arrivée, mais elle y est presque, allez, qu'il y a moins de 400 Ouais. mètres restants, et Avec là cette c'est au espèce courage de que ça joue. fin de ligne droite, ouais, on va passer. Enfin, c'est pas forcément un virage, mais au bout de la ligne droite, c'est la ligne d'arrivée, justement. On va, entre guillemets, peut-être encore un petit peu tourner sur la gauche, et c'est juste au bout. C'est juste au bout, Muriel. 300 mètres maintenant pour rallier cette ligne, pardon, d'arrivée pour clôturer cette course. Cette grande virée au profit, on vous le rappelle, de l'SBL Circula Brussels. Le lien est dans la description de la chaîne YouTube d'Alexandre.
Bien évidemment, bah, vu que nous sommes en live, pour ceux qui sont sur la live, n'hésitez pas, vous êtes 300, vous êtes plus de 300, donc merci, merci à tous d'être là. Et n'hésitez pas à aller faire un petit don pour cette SBL, l'SBL circulaire Bruxelles. Allez, 220 mètres pour en finir pour Muriel Vélizienne qui va s'en sortir. Hein. La fin est un petit peu moins raide, hein, légèrement moins raide que les passages à 10% qu'on a eu au pied. Mais voilà, faut envoyer. Hein. On est quand même sur des pourcentages importants. Donc, faut clairement appuyer sur les pédales si on veut avancer. Et ça stoppe toujours. Donc là, voilà, elle va tout donner jusqu'au bout pour en finir sur ses 150 derniers mètres et boucler cette grande virée numéro 4. En attendant, bien sûr, la prochaine édition que vous attendez tous, je suppose. Avec impatience, évidemment, forcément. Mais ça aurait été agréable de voir toujours, justement, bah, tout le monde qui aurait suivi cette course. Donc, bah, on vous remercie tous les viewers d'avoir suivi cette course et de suivre justement encore cette course parce que c'est pas fini. Muriel qui clôture donc. Et je pense qu'on va pouvoir arriver en moins d'une heure et 15 minutes du côté de Muriel. Parce que là, il reste une trentaine de mètres, une minute 14 et 45 secondes. Je pense qu'on va 47, 48 secondes. Ce sera le temps où on finira. Voilà, bien joué. Félicitations, Muriel, pour justement cette grande virée 4. Tu auras clairement souffert, mais tu auras rallié cette arrivée. Donc, félicitations encore à Muriel. Et aussi, félicitations à notre grand vainqueur du jour, Emmanuel Lejeune, ou Manu Lejeune, comme il était mis sur sa caméra. Alors, mon cher Herlo, justement, si tu dois retenir quelque chose de cette course, qu'est-ce que ce serait ? Je t'écoute, dis-moi tout. Eh ben, ce qu'on peut retenir de cette course, c'est qu'on a quand même eu une bataille magnifique et on a eu du spectacle tout au long de l'épreuve. Donc voilà, super intéressant et voilà, on espère que les prochaines éditions seront pareilles avec un spectacle qui est toujours là au niveau des grandes virées toutes les saisons. C'est intéressant, donc voilà, on vous attend aussi nombreux pour la prochaine édition et on espère que vous serez à nouveau au rendez-vous. Pour les prochaines courses qui seront diffusées. Effectivement, voilà, je pense que tu as magnifiquement résumé. On vous invite une dernière fois à aller évidemment sur la chaîne YouTube d'Alexandre. On est en live et c'est dans la description pour aller soutenir l'SBL Circular Brussels pour cette grande virée numéro 4. C'est l'association qui est soutenue lors de cet événement. On a le petit lien pour aller faire votre petit don, même le plus petit don possible. Ce sera déjà ça afin de soutenir cette belle association. Quant à moi, je vais vous remercier de nous avoir suivis, d'avoir été aussi nombreux. Et surtout, Herlo, merci à toi de m'avoir accompagné pour commenter cette grande virée numéro 4. Ah voilà, pas de problème. Et on vous souhaite une agréable soirée et on vous retrouvera pour une prochaine course. Voilà. Et ben voilà, tu as parfaitement résumé. Passez une excellente soirée, un très très bon week-end. Parce que oui, on est samedi et le week-end, il n'est pas terminé. Donc, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Et je vous dis à très vite. Et voilà, bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.